Coucou les filles, alors je reviens pour le tuto de ce make-up là. Donc c'est une série de make-up que je vais lancer pour les fêtes. Donc pas essentiellement que pour Noël ou que pour Nouvel An. Donc ça va être des make-up qu'on pourra réaliser pour les deux. Donc voilà, ce make-up là a été essentiellement réalisé par la, avec la Vise Palette de chez Urban Decay. Donc si le make-up vous intéresse, c'est parti. J'ai changé d'endroit parce que j'avais l'impression que la luminosité sur mon bureau était pas terrible. Bon là, je vais juste pas m'aventurer à aller vers là parce que sinon on verra que dalle. Donc voilà, il y a déjà un œil de fait. Je vais faire l'autre. Hop, j'ai trop zoomé. Voilà. Donc il est pas totalement fini cet œil, mais j'attends de faire le teint pour le finir. Donc je vais venir prendre ma base de chez Essence. Je vais en appliquer sur toute la paupière. Voilà. Ensuite, je viens prendre un jumbo de Claire's, cette couleur-là. Bon, est-ce que ça va faire... Voilà. Cette fois-ci, je vais en mettre que... Pardon, j'ai mon équipe pic sur la paupière mobile. Si je me mets hors champ, ça ne va pas le faire. Voilà. Il est super beau, je trouve aussi. Voilà. Il se voit à peine, mais il est super beau. Ensuite, je viens prendre la Vise Palette qui est déjà un peu cracra pour ma part. Je suis pas douée. J'y peux rien. Donc je vais venir prendre ce fard à paupières. Je sais pas si vous allez voir le nom. Voilà, celui-là. Bilt. Bon, je sais pas comment il se prononce, mais celui-là. On dirait qu'il est jaune là. Il passe jaune, mais non, c'est un doré. Donc je vais en prendre avec un pinceau plat. Voilà. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Alors bien sûr, je vais être hors champ, j'ai juste un peu dézoomé parce que vu que j'ai pas trop l'habitude voilà, j'ai d'être installée comme je suis. Je trouve qu'il est magnifique ce fard là. Limite, il suffira à lui-même quoi. Ensuite, je viens prendre le fard à paupières qui est juste à côté, celui-ci. Est-ce que vous voyez le nom? Je ne sais pas du coup. Celui-là. Ah, ça me saoule. Dézoomer encore un petit peu. Voilà, alors je vais prendre ce fard là. Voilà. Et je vais venir le mettre en coin externe, comme ça. Hop. J'enlève un peu l'excédent parce que j'en veux pas trop. Et je vais venir le fondre un peu avec l'autre. On va venir aussi faire... J'ai oublié une étape. Je vais venir prendre Anonymous Mousse. Voilà. Et je vais faire
le sala, enfin je sais plus comment on dit, c'est pas grave, ça va me revenir. Voilà. Ensuite, donc je reprends mon pinceau boule, hop, je reviens faire mon creux de paupière. Hein. Et hop, maintenant on va le travailler un petit peu. Bien sûr, j'ai pas encore fait mon teint. Je le fais tout le temps à la fin, comme vous le savez. Et même si maintenant pour les fêtes, je trouve que c'est mieux de faire à la fin. Si maintenant on veut mettre des paillettes ou quoi que ce soit, c'est plus facile après pour enlever que si on a déjà fait le teint, etc. Donc. Alors, soit il y a trop de lumière, soit il n'y en a pas assez. Je deviens folle avec cette luminosité. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais juste enlever ce qui est tombé. Alors voilà, ensuite je vais venir prendre, si je le retrouve, le pinceau creux de paupière numéro 13 de chez Sephora et je vais venir prendre ma Naked 2 pour venir chercher le fard à paupières Blackout. J'adore ce noir, quand j'ai un truc à faire avec du noir, j'adore travailler avec celui-là, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Donc là, on va venir en déposer juste sur le coin externe en tapotant. Je vais enlever le surplus sur ma main. Voilà, et hop, on va venir un peu le fondre avec l'autre fard à paupières. Il n'y en a pas assez vers là-dedans, donc j'en rajoute un petit peu. Voilà. Donc, voilà. Je vais prendre mon petit truc là et hop. Voilà. Maintenant, je vais venir faire mon trait de liner parce que, bien sûr, comme vous le savez, j'ai du mal. Vous le savez, moi, il me faut toujours un trait de liner. Sinon, pour moi, le make-up n'est pas terminé. C'est une question d'habitude, bien sûr, sauf sur les smokies, hein, je le fais pas. Voilà. Mais j'aime bien avoir un trait de liner. Donc, oui, je sais. Normalement, il y a des super gel liner. Mais j'ai tellement pris l'habitude, quand je suis à l'internat, de prendre les liners comme ça. Donc, voilà. J'ai plus trop le coup de main avec le pinceau. Et ça m'énerve d'ailleurs un peu. Donc, parfois, on prend la solution de rapidité. Mais bon.
super. J'ai mon allergie qui est en train de... J'aurais peut-être pas dû me maquiller aujourd'hui, mais je tenais quand même à faire une vidéo. Mais c'est pas grave. Hein. On va tenir. Hein. Désolée, je me suis collée contre le miroir. Donc voilà. Je vais faire le teint et voilà, je j'ai fini mon teint. Maintenant, on va venir mettre le mascara. Donc, je mets deux mascaras. Normal, j'ai envie de dire. Donc, un de chez Inglot, que j'aime beaucoup. Bon, bien sûr, vu que c'est la période des fêtes, on peut bien sûr mettre des fossiles. Mais vu que moi, je galère avec les fossiles, on va zapper ce passage-là. Voilà. On va s'y remettre. Hop, là. J'adore les grimaces qu'on fait quand même quand on met du mascara. Donc voilà. Oh, y a de ces bruits dehors, super. C'est de ma faute en plus. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais bon. Je vais baisser un peu la télé. Voilà. Ah, je me suis fait mal. Bon, celui du bas, on va attendre un peu. Je vais venir mettre le Super Curl Curling Curling Mascara de chez Urban Decay. Et super, une belle tâche. On va laisser sécher la belle tache, hein, n'est-ce pas? Ensuite, juste enlever le fond de teint que j'ai sur l'air. Voilà. Alors ensuite, je vais faire les rats de cils. Donc, ah, il y a le soleil qui tourne, c'est affreux, c'est affreux. Bon, est-ce qu'on me voit encore? Oui. Donc, je vais venir prendre ce pinceau-là de chez Real Technique. Super, il y a encore du noir. Donc, je vais venir reprendre ce fard-là. Et je vais venir en mettre en coin. Excusez-moi, limite je suis en train de me faire, voilà, et je suis en train de mettre plein de trucs en dessous, mais c'est pas grave. Hop. Donc voilà,
Ensuite, je vais reprendre mon kabuki avec lequel j'avais mis ma poudre pour venir enlever les chutes. Donc là, c'est bien sec. Je vais venir prendre un coton-tige et frotter légèrement. Voilà. Pas besoin de faire de retouche, rien du tout. Je parais blanche, ça m'énerve. Et du coup, je vais pouvoir venir mettre mon mascara en dessous. Ensuite, en rouge à lèvres, je vais mettre quelque chose de super neutre. Je vais juste mettre le rouge à lèvres de chez Essence, le 52, oui, In the Nude. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, je laisse place aux photos, bisous à toutes.